de soit pas avoir de lumière ou de la baisser un peu. C'est comme un peu éblouissant. Ah oui, c'est mieux comme ça, beaucoup mieux. Merci. Bonsoir. Je m'appelle Geneviève. Je suis canadienne, francophone. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, je parle français. Je chante en français aussi. Et je sais lire le français. D'ailleurs, je ne savais pas lire l'anglais ou parler l'anglais avant l'âge de 14 ans. Alors, vous pouvez me parler en français, gênez-vous pas. Puis, ben oui, j'ai un accent québécois, mais pas trop fort, je pense pas quand même. Peut-être que je vais vous dire toutes sortes de choses bizarres en anglais. Ça, c'est juste parce que ça se peut que je devienne mélangée. C'est très rare que j'ai la chance de jouer devant les francophones. Et puis, je vais jouer maintenant. Thank you.
Thank you.
m'excuse si je fais, si je parle pas beaucoup. Je trouve que j'ai rien d'intelligent à dire, alors je préfère chanter des choses intelligentes. C'est pas très humble, ça, hein? Dire quelque chose comme ça. Je l'avais déjà dit, j'avais rien d'intelligent à dire.
faire une dernière, puis après il y a Mount Erie, Phil, qui va jouer. Lui aussi, vous pouvez lui parler français, sauf que il est en train d'apprendre. Mais ça, c'est un des avantages, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de pays où les gens ils vont parler dans leur langue. D'habitude, si les gens entendent ton accent, ils commencent à te parler en anglais tout de suite. Ce qui arrive avec moi en France. Là, je dis « Non, je parle français, alors! » Je lis le même dictionnaire que vous. Ça, c'est ma chose préférée à dire. OK. Yeah.
m'inspire vraiment beaucoup. Alors, faut pas trop s'approcher parce que je sens comme un chacal. Nous, les hommes, on a l'habitude. Oui, mais c'est pas... Les hommes, vous avez peut-être l'habitude de puer, mais vous êtes peut-être pas habitués aux femmes qui puent. Ah, oui. Tu l'as eu?